Oui! Ça fait 5 fois! Ça fait 5 fois que je refais. Il a essayé de me filer 2 fois une carte au trésor. Il m'a essayé un porte-bonheur à la con là. Vous savez, les pendentifs là, en forme de papillon. Qu'on loot à la pelle. 40 rubis qu'il la mettait aux enchères. Non, la voile rapide. J'ai 365 rubis, j'en ai récupéré 15 en cassant quelques petits bocaux là, pots. Voilà. Et on va devoir racheter cette voile. Alors on va mieux se débrouiller que la prochaine fois, que la précédente. Puisque on a plus de thunes tout simplement. Alors eux ils vont faire 103 rubis. Tat tat, bien bien, c'est béni. C'est reparti! Geneviève, 106 rubis. Hop, lui il va faire 110 rubis. C'est à nous. 49 secondes, on va faire 130 rubis. Ça va les stun pendant une dizaine de secondes. Oh! L'enchère est de 130 rubis. Attends un peu, petit. Parce que là, on est à 49. 40, 46. 45. 43. 42. 41. 40. 39. 38. 37. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28, 28, on va être à 27 là. Ok, 46, on est à 32, ah merde, j'ai compté trop vite. On va faire 160 sur 8, c'est bien. Ah, je peux monter là. Comment je peux le laisser avoir comme ça? On va se recharger. Dépêchons. Ouais, c'est quand il dit ça, c'est 30 secondes. Ok. Il reste 18 secondes. Ok. D'abord, je m'appelle Miss Enchère. Je recharge à fond. Dépêchez-vous. Comme ça, je suis prêt. Ah, 6 secondes. On va mettre 230. Ça devrait les calmer. Il y a un porte-monnaie élastique ou quoi? Eh oui, j'ai un porte-monnaie élastique. Encore 5 secondes, vous êtes bien sûr. Moi, je recharge à fond s'il faut. Ok, merci. Adjugé vendu. L'heureux acquéreur devrait avoir la rapide sous le bras et Link pour 230 rubis. Ce n'est qu'un mot à dire. Félicitations! Très bien. Vous obtenez une voile rapide, fruit des dernières innovations technologiques, cette voile rendra votre bateau plus rapide que jamais. Mieux encore, avec elle, vous aurez toujours le vent en poupe, hissé là pour qu'il saute automatiquement dans votre dos. Plus besoin de sortir la baguette à chaque changement de destination, voyager n'a jamais été aussi agréable. Vous êtes si jeune, j'ai vraiment bien un style généreux. Mais voilà, j'avais oublié que ça faisait ça en plus. Trop bien ça. On doit rester là pour aujourd'hui. Bonne nuit à tous. Ciao les loulous! J'ai plus de toons que vous tous réunis. Peut-être pas. Ils étaient prêts à mettre ça chacun. 200 balles. Lion rouge, j'ai une voile adaptée à ton nom. Tu vas voir, elle est bien. Hop. Et boum. Vous voyez, la normale, elle met pas le vent. Et la bim. Ça met le vent dans la bonne direction. Si c'est pas beau, ça. Ok, on va se retrouver à la forteresse maudite. Donc il faut que je... Où je tourne. Hop, c'est par là-bas. Allez, va pour la voile rapide. Ah, c'est quand même vachement plus sympa. Hein. Alors, on va plus vite. On va plus vite. Alors, Lion Rouge, elle te plaît cette nouvelle voile? Le dessin a changé. Oui, il y a les plaf. Il y a les petits petits dessins en plus. Et on speed up Superstar. Alors je pense que s'ils ne l'ont pas fait sur la version GameCube à la base, ça devait être pour les tout simplement les possibilités techniques de la console, qui devait être déjà assez limitée à charger le monde ouvert comme ça.
Et il fallait laisser le temps à la bécane de charger tout ça. Mais maintenant que nous sommes sur Wii U, eh bien, ça va être plus facile. Ça fait vachement plaisir. Alors, on va plus vite, hein. On va bien bien plus vite. Et on n'a pas besoin de changer le sens du vent. J'avais oublié ça. On n'a pas besoin de changer le sens du vent. Mais c'est vachement pratique quand même. Parce que ça devenait un petit peu chiant à la longue. Ça donne un peu d'immersion, mais ça devient un peu relou quand même. La forteresse maudite est là. Oulala, il y a plein de. Ah, il nous faut des rubis. Donne-moi des rubis. J'ai besoin de sous. J'ai tout claqué. T'as claqué tous tes rubis, Link? Mais c'est pas raisonnable. Mais si, c'est pour cette voile. Ah, ça va. Ah bon, ça va alors. Surtout que j'ai déjà récupéré quasiment. J'ai tout récupéré en allant là, donc. Oh non. Il y avait un rubis, un tonneau. Hop. Est-ce que je vais pouvoir y retourner d'ailleurs? En toute discrétion, je ne sais pas. Ils ont remis les lumières à jour. Pas une cinématique là? Non, j'y re-rentre comment? C'est qui me tire dessus? Il tire ses mains, c'est ça? Pourquoi ça là comme ça là? Pourquoi ça là comme ça? Je vous avoue que là. Je m'attendais pas à ça. Hop. Nous y sommes. Yannon sait sans doute déjà que nous sommes infiltrés ici, mais tu as l'épée de légende. Si cette épée contre les monstres, elle va délivrer ta sœur. N'aie aucune crainte. Donc je me dis qu'on a crainte à avoir, mais. Je passe par où? Ah. Et c'est fantôme. Fantôme Ganon. Alors on va faire du. On est parti pour une partie de tennis. Mes cours à Broxy. Et boum. Bam. Alors, on est nul? Ah bah non. Mais à part rire, il s'y fait pas grand-chose. Et il m'ouvre la porte. Génial. Ah, ça m'ouvre un coffre et tout quoi. Nice. Là, c'est une explosion, ça fait boum. Rip Link. Ta-d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 a. Pa-pa-pa. Vous obtenez la masse. What the fuck? Masse vous permet d'étriquer certains obstacles et d'écraser certains. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. What the fuck? Mais vous êtes qui vous? Je me rappelle pas de ça. Vous sortez d'où? Je me rappelais pas que ça existait ce machin. What the fuck? Je me rappelais des. Yeah.
me rappelle des bottes, des flèches de feu et tout ça, mais... Je me rappelle pas qu'il y avait la masse. Non mais il m'emmerde là. Laissez-moi tranquille. Bon, je vais juste vous ignorer du coup. Ça me semble être mieux. Faut vraiment que je passe par là, là. Des loups. Je sais pas. Hein. Faut que je monte, non? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peut-être que j'allais voir la carte. Ah mais non, mais faut que j'aille libérer mes soeurs, je suis con. C'était tout là-haut, non? Si je ne m'abuse. Mais dégagez-vous là. Vous me faites chier. C'est là je crois. Hop. Je peux pas rentrer là. Merde alors, je peux pas rentrer? Il semblait que je pouvais rentrer. Mais vous sortez d'où? Vous sortez à l'infini en fait, c'est ça? J'ai l'impression. Pourquoi je peux pas sauter et rentrer là. Tu peux pas escalader là. Bon bah rip, c'est pas là du coup. C'est par où? Paf. Putain, non, mon épée a rebondi sur le truc, sérieux. Non mais putain. Quel con. Hop. Ok, il est aussi con que moi, lui. Ah, il remonte. Merde. Je pensais pas. Mais d'accord qu'il vient de traverser le... Putain, mais vous allez me laisser tranquille, putain de... Monstre à la con. What the fuck. Il est complètement glitché, celui-là. Il a complètement glitché, très bien. Oula. Je me fais canonner la gueule. Non, c'est une blague. Putain, mais vous pouvez pas me laisser tranquille, bordel de queue, là. Parce qu'avec un arc... On peut faire rien. Bon, je dois passer par où? Honnêtement, je veux rejoindre la prison. Je peux aller à la prison, moi. Tu meurs déjà.
toi aussi. Ça c'est la carte là. Ok. Et là il y a quoi là? C'est une porte. Ah ça m'a l'air d'être. Ça m'a l'air d'être la prison là non? Non. Ah, je suis peut-être censé rentrer par là. Premier étage. C'est quoi ce machin hein? Quel est donc ce truc? Premier étage. Je sors, je vais au premier étage. Mais putain. Ah mais c'est là où je suis rentré en fait, c'est ça? J'aurais pu rentrer par là, non, en effet. Mais où là? Je suis perdu. Comment je te bute, toi? Je te bute pas. Hein. Après, il y a un coffre. Hein. Non mais putain. Très bien, très bien. Non mais putain, mais tu montes sur l'échelle au lieu de... C'est pas possible. Excusez-moi. J'en ai marre là. Deux fois d'affilée. Casse les pieds. Il y a une croix là. Je dois aller à la croix là. Je suppose, non? Sur la carte. Là, il est en face. Enfin, je peux pas y aller en face. Je peux m'y balancer quelque part, là? Comment je monte en face? Pas y aller. Toi là. Pas crever. C'est toujours pas mort là? Ouais, quand même. Y a pas d'échelle en face. Ok, là, là ça marche très bien. Ok, parce que je dois aller en face. Parce qu'il y a une croix rouge sur la carte. De l'autre côté. Je suppose que c'est là. Premier étage. C'est ça. Je dois aller là, mais j'en viens de là, non? Pourquoi il y a une croix rouge? C'est par là qu'il faut que j'aille. Mais oui, mais j'y... Mais j'en viens de là, je me suis fait canarder par les carnes. Mais c'est là où j'étais. Je suis canardé par les canons là. Il me semblait que c'était là la prison. Mais arrête de taper le mur! Non merde lui. Non bon. Ça sort d'où ces trucs là? Bon. Ah, c'est quoi ça? Mais accroche-toi.
C'est le vent qui est pas dans la bonne direction. À coup sûr. Mais c'est ça, il faut qu'il soit dans l'autre direction. Ta da da da. Ah, j'ai plus de magie verte là. Enfin de magie tout court du coup. Pas des machins qui veulent m'enfiler là. Ah mais filez-moi de la magie. Ah merci. Ben voilà. Non. Ok. Ça m'a l'air d'être par là, non? Ouais. Très bien. J'ai envie de me faire éclater. Ok. Et ben voilà. Il suffit de réfléchir 2 minutes. D'y aller avec le vent. Ta-da-ta-da. Vu la porte que t'as ouverte, pas trop de risques à ce que tu te fasses pas repérer quoi. Grand frère. Hein? Tu vas bien? Comme je suis contente. Et toi aussi tu vas bien. Cette porte ne s'ouvre pas. Ah bah ils sont là eux. Coucou. Tu es vraiment incorrigible. Si nous n'avions pas attiré l'attention de cet oiseau énorme, tu aurais encore fini dans les airs comme la dernière fois. Elle a vu qu'on avait l'épée. Mais cette épée, où l'as-tu trouvée? Tu n'es pas... pas possible. Ah, quoi qu'il en soit, nous allons amener ces jeunes filles avec nous. Leur père en ville nous donnera une belle récompense. Excusez-moi d'avoir juste une scène aussi mouvante, mais... je crois que tu as encore quelque chose à faire, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vais me faire arrêter à ma gueule, ne t'inquiète pas pour ta sœur, je la ramène en pleine santé sur votre île. Évidemment, je demande une rançon pour ce genre de service, mais pour toi, ce sera gratuit. Ton grand frère a encore quelque chose à faire. Il reviendra bientôt, tu vas l'attendre patiemment, d'accord? Grand frère... Tetra, nous devons faire vite, cet énorme oiseau va revenir. Gonzo, tu arrives au bon moment, emmène celle-ci aussi. Hein? Mais elle n'était pas... Tais-toi et obéis-vu. D'accord. Au pied et à l'œil. Grand frère! Link, dépêche-toi de faire ce que tu vas faire et de rentrer, d'accord? Ah bah, il y a l'oiseau. Lol. Ah bah non. Tombe pas gros con. La priorité c'est de monter. Mais je pensais que... ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'il est con.
ce Link. Ça n'a aucun effet. Ah mais là aussi c'est pété. Flûte alors. Bon bah rip hein. Ah. C'est très le glitch. Alors cet oiseau est très très con parce qu'il pourrait péter ce d'abord. Oui. Et pas attendre celui derrière moi. Mais c'est un piaf alors. Mais tape-le. Ah. Mais. Ben voilà. Non mais où? Ça va se fermer. Et lui de retour. Il y a laissé quelques plumes. Ha! C'est drôle. Pain, pain, pain. Alors comment je dois le tuer lui? Pas comme ça. Ok, bien comme ça du coup. C'est de barrer. Allez là. Surtout replante bien ta tête dans le sol comme ça. Là. Pin, 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 tin, tin. Ben flûte. Pourquoi il a fait ça lui? Faire quoi là? Il va foutre une bombe? Non. Mais merde, je dois faire quoi? Qu'est-ce que j'ai qui peut contrer? Ça va rien faire. Le grappin, j'ai rien, à part le marteau. Allez, voilà. Ok, il faut juste attendre, quoi. Survivre et attendre. Très bien. Là, je suis étonné qu'il reste encore un coup. Là. Il s'est bouffé le mur, ce con. Alors, reprends-toi le mur. Gros teubé.
Mais tape-le. Ouais, quand même. Et là, je vais peut-être pouvoir utiliser l'arc. Non. Mais vous, non, hein. Quand même. Puis par crever le piaf. Tous les éclairages qui regardent l'éclairage. Il est mort. Ben voilà. Wouhou. Il pleut des plumes. La pluie de plumes. Mais vous savez quoi, on va s'arrêter là pour cet épisode de The Legend of Zelda Wind Waker HD et on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao ciao tout le monde !